Retour à Marseille où dromadaires et chameaux se baladent près du centre commercial Grand Littoral. Un cirque vient de s'installer. Le chapiteau de la famille Benzini a trouvé un terrain privé pour faire ses spectacles. Spectacle d'animaux illégal à Marseille et dénoncé par la mairie de secteur. La préfecture, elle, ne dit rien. Un silence insupportable pour l'Association nationale de défense des animaux PAS et sa cofondatrice Amandine Sanvicence. Notre association constate que de manière récurrente, des cirques avec animaux s'installe sans autorisation, comme c'est le cas à Marseille. Et donc, c'est un véritable scandale parce que on constate que de l'autre côté, l'État, qui est censé faire appliquer la loi, en fait, reste passif. Alors même qu'aujourd'hui, en 2023, on a le Parlement, le gouvernement, qui ont envoyé un signal fort avec cette loi, hein, qui interdit donc maintenant dans 6 ans l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques. Et donc, pour nous, il faut amorcer la transition dès maintenant. De son côté, le propriétaire du cirque, Michael Benzini, dit avoir l'autorisation du propriétaire privé de s'installer sur le terrain de 5000 m². Le cirque sera normalement présent jusqu'à la fin des vacances d'hiver, dans 2 semaines.